Les poissons abyssaux sont des poissons qui vivent dans l'obscurité, sous les eaux de surface éclairées par le soleil, c'est-à-dire sous la zone photique de la mer. Cette zone où la lumière pénètre dans l'eau et où la photosynthèse est possible. Les océans profonds sont également des environnements extrêmement hostiles, avec des températures qui dépassent rarement les 3 degrés et tombent parfois en dessous des 0 degrés. Le niveau d'oxygène est faible et la pression est comprise entre 20 et 1000 atmosphères. La plupart des poissons qui ont évolué dans cet environnement hostile ne sont pas capables de survivre dans des conditions de laboratoire, et les tentatives pour les maintenir en captivité ont entraîné leur mort. Les organismes des grands fonds ont des poches remplies de gaz. Le gaz est comprimé sous haute pression et se dilate sous basse pression. Pour cette raison, ces organismes sont connus pour exploser s'ils remontent à la surface. En eau profonde, la neige marine est une pluie continue de détritus, principalement organiques, tombant des couches supérieures de la colonne d'eau. Son origine réside dans les activités au sein de la zone photique productive. La neige marine comprend du plancton mort ou mourant, des matières fécales, du sable et d'autres poussières inorganiques. Cela peut être considéré comme le fondement des écosystèmes mésopélagiques et benthiques des grands fonds. Comme la lumière du soleil ne peut pas les atteindre, les organismes des grands fonds dépendent fortement de la neige marine comme source d'énergie. Les bathysaures sont hermaphrodites, portant à la fois des organes sexuels mâles et femelles, considérés comme une adaptation aux faibles densités de la population. Les giganturas sont présumés être des prédateurs solitaires et actifs, et leurs yeux sont adaptés pour une collecte optimale de la lumière binoculaire, au détriment de la vision latérale. Ils sont probablement capables d'épier la moindre lueur de l'organe bioluminescent de leur proie à distance. La plupart du temps, le poisson tripode se tient sur ses trois nageoires au fond de l'océan, à la recherche de nourriture. Même si les nageoires sont vraisemblablement assez rigides, les chercheurs ont réussi à surprendre le poisson en train de nager, et les nageoires semblent alors flexibles. L'anguille du Japon, comme les autres anguilles, vivent dans les eaux douces et les estuaires où elles se nourrissent et grandissent pendant un certain nombre d'années, avant de commencer à mûrir et de nager vers les océans pour se reproduire. La murène japonaise est une autre espèce d'anguille. Elle vit principalement sur les fonds marins jusqu'à une profondeur de 800 mètres, mais peut survivre en eau douce. La murène Kidako est carnivore. Elle sort de sa tanière la nuit pour chasser activement ses proies le long des récifs. Elle se nourrit principalement de petits poissons et de céphalopodes. Son corps en forme de serpent est de couleur crème à brun jaunâtre, avec des motifs bruns ressemblant à des arbres. L'hétérocongre tacheté vit exclusivement en colonies de tailles diverses, sur des fonds sableux exposés au courant. Il creuse un terrier d'où émerge environ un tiers de son corps, pointant sa bouche vers le courant sous-marin pour attraper de la nourriture à la dérive. Les caractéristiques de la snipe élancée comprennent un bec d'oiseau avec des pointes incurvées, recouvert de minuscules dents crochues qu'elle utilise pour balayer l'eau pour attraper des crevettes et autres crustacés. Elle a une durée de vie de 10 ans. Les anguilles à nez court semblent être des charognards spécialisés, ressemblant à des myxines.
utilisant leurs mâchoires puissamment musclées et leurs dents courtes et robustes pour arracher des morceaux de chair des carcasses tombées au fond de la mer. L'estomac du grand gousier pélican peut s'étirer et se dilater pour accueillir de gros repas, mais il n'a que de minuscules dents, ce qui n'est pas compatible avec un régime alimentaire régulier de gros poissons. La grande bouche peut être une adaptation pour permettre aux poissons de manger une grande variété de proies lorsque la nourriture est rare. Ce poisson, comme le saccopharynx, a plusieurs os manquants, comme l'os symplectique et les côtes. Ils n'ont pas non plus d'écailles, de nageoires pelviennes ou de vessies natatoires. Peu d'informations sont actuellement connues sur leurs habitudes ou leur distribution complète. Ancodus a prospéré à la fin du Crétacé. Il a survécu à l'extinction Crétacé-Paléogène et a persisté au moins jusqu'à la fin de l'Éocène. Le saumon du Pacifique a la plus grande aire de répartition naturelle de tous les saumons et subit les plus longues migrations. Bien qu'il soit extrêmement abondant en Alaska, c'est le saumon le moins précieux sur le plan commercial en Amérique du Nord en raison de sa faible valeur marchande. Les surfaces ventrales du poisson Mirror Belly sont caractérisées par une semelle aplatie et saillante. Cette semelle peut jouer le rôle de réflecteur, en dirigeant la lumière émise vers le bas. Cette particularité le rend invisible quand il est vu d'en dessous par des prédateurs. Macropina microstoma est reconnaissable pour son dôme transparent très inhabituel, rempli de liquide sur sa tête et à travers duquel les lentilles de ses yeux peuvent être vues. Les yeux ont une forme de tonneau et peuvent être tournés vers le haut ou vers l'avant, en regardant à travers le dôme transparent du poisson. La raison de cet aspect déroutant est totalement méconnue. Les poissons hachettes sont des petits poissons d'eau profonde qui ont développé une forme corporelle particulière. Et comme leurs cousins, ont des photophores bioluminescents. Ces derniers leur permettent d'utiliser le contre-éclairage pour échapper aux prédateurs qui se cachent dans les profondeurs. Les dragons noirs sont des poissons bioluminescents, mais contrairement à la plupart de ces prédateurs qui utilisent leur lumière principalement pour attirer leur proie, ils peuvent voir leur propre lumière. En conséquence, ces poissons peuvent utiliser leur lumière pour chasser. Contrairement au poisson dragon noir, Malacosteus n'est pas un migrateur vertical. Alors que sa morphologie avec d'énormes crocs et une énorme béance de sa bouche, typique de sa famille, et suggère des adaptations à la piscivorie, ce poisson se distingue par sa bioluminescence. Il fait partie des rares animaux à émettre une lumière rouge. Cette couleur n'est pas visible pour les autres poissons et se laisse manger sans même avoir vu arriver le Malacosteus. Les lophiformes ont un mode de vie benthique et très solitaire. Les poissons grenouilles verruqueux se rassemblent pendant la période d'accouplement, mais ne se tolèrent plus après l'acte de fécondation. La femelle peut tuer ou manger le mâle s'il reste à proximité. Une étude phylogénétique du génome mitochondrial a suggéré que les baudroies se sont diversifiés dans une courte période du début du Crétacé, il y a entre 130 et 100 millions d'années. Il se distingue par un dimorphisme sexuel extrême et une symbiose sexuelle du petit mâle avec la femelle beaucoup plus grande. Les individus étant localement rares, les rencontres sont également très rares.
Lorsque les scientifiques ont commencé à capturer des baudroies cératioïdes, ils ont remarqué que tous les spécimens étaient des femelles. Ces individus mesuraient quelques dizaines de centimètres et presque tous avaient ce qui semblait être des parasites attachés à eux. Il s'est avéré que ces parasites étaient des cératioïdes mâles, fortement réduits. Cela indique que certains taxons de baudroie utilisent un système d'accouplement polyandre. Une explication de l'évolution de la symbiose sexuelle est que la densité relativement faible des femelles dans les environnements d'eau profonde laisse peu de possibilités de choix de partenaires chez les baudroies. Une fois qu'un mâle trouve une femelle, il la mord pour s'accrocher à elle, puis fusionne avec son corps. Les mâles rétrécissent pour réduire le coût métabolique dans les environnements pauvres en ressources et développeraient des capacités de recherche de femelles hautement spécialisées. La source de luminescence est constituée de bactéries symbiotiques qui habitent dans et autour de l'organe lumineux, enfermées dans un réflecteur en forme de coupe contenant des cristaux, probablement constitués de ganine. Les lampridiomorphes sont des poissons océaniques qui restent bien au-dessus du fond marin. Ils sont généralement de couleur vive à l'âge adulte, souvent avec des nageoires pourpres brillantes. Ils ont des formes corporelles très variables, mais sont souvent comprimés latéralement. Opah est un grand poisson discoïde, avec une coloration facilement remarquable. Il a été démontré qu'il maintenait les organes internes de son corps au-dessus de la température ambiante, devenant ainsi le premier poisson connu avec ce trait. Le régalec, ou roi des harengs, est le poisson osseux le plus long du monde. Sa forme évoque un ruban, étroit latéralement, avec une nageoire dorsale rouge sur toute sa longueur. Ses caractéristiques physiques et son mode de nage onduleux ont conduit à penser qu'il pourrait être à l'origine de nombreuses observations de serpents de mer. Autrefois considérée comme rare, l'espèce est maintenant soupçonnée d'être relativement commune, bien que les observations de spécimens sains dans leur habitat naturel soient peu fréquentes.